Il est l'heure de l'interview casse-tête. Ah ben enfin. Ah, donc je vous donne le principe, cher Gérard, des questions rapides pendant 1 minute 30. Vous n'avez pas le temps de réfléchir, il faut répondre au maximum de questions. Ça me convient. Et qu'est-ce qu'il y a à gagner aujourd'hui? Un panda, vous avez dit. Alors non, on avait 2 places pour le quart de finale de la Ligue des Champions du PSG, mais hélas... Ça, c'est gentil de me le rappeler. Ça, c'est très gentil de me le rappeler. Mais finalement, ce sera la Coupe de France. Oui, une petite Coupe de France. Alors, voilà, alors maintenant, c'est l'interview casse-tête, on l'a dit. Et les chroniqueurs ont le droit, s'ils pensent que la réponse mérite d'être creusée, de faire pause et de développer avec vous. D'accord. Et moi, je réponds du tac au, tac. Alors, justement, alors on le sait, vous êtes co-auteur avec Pierre Palmade d'un livre sur les tu préfères. Oui. Donc, on va jouer à votre jeu préféré, les tu préfères. Ah bon? Oui. Attention, c'est parti. Oui. Tu veux un whisky? Un doigt. Tu préfères perdre l'index ou le majeur? L'index. Tu préfères tourner tout un film dans une piscine ou lécher la main d'un mec qui a une gastro? Sachant que vous avez la phobie de l'eau et que vous la êtes... La piscine. La piscine? Mm. Tu préfères une vie sans soleil ou une vie sans amis? Sans soleil. Tu préfères ne plus rire ou ne plus jouir? Top. Joker. Non, t'as pas le droit, Joker. Nous, on a le droit. Pause. Ah oui. Alors, réponds. Oui. S'il te plaît, réponds. S'il te plaît, réponds, là. C'est quoi? Tu préfères... Tu préfères ne plus rire ou ne plus jouir? Rire ou jouir, en fait. Moi, je préfère ne plus jouir. Ouais, remarque. Hein. Bon. Fernandel, c'est toujours vous? Fernandel, c'est moi, ouais. Qu'est-ce qui vous a été le plus difficile dans votre vie? Percer au cinéma en s'appelant Gérard dans les années 70 ou être né un 29 février? S'appelant Gérard dans les années 70. Votre expression française favorite? Retrousser ses manches pour casser une allumette, yoyoter de la touffe ou laisser pisser les mérinos? J'aime bien que retrousser ses manches pour casser une allumette. Ah, ça me va. Oui. Il paraît que vous vous brouillez facilement avec les gens. C'est quoi le sujet que je ne dois pas aborder pour qu'on reste amis? Vous pouvez aborder tous les sujets, je ne me brouille pas si facilement que ça avec les gens, mais je suis brouillé avec beaucoup de gens. Ah. Ouais. D'accord. Mais il y a toujours une raison, une valable. Votre dernière brouille en date, non? Non. Non, d'accord. Entre Bacri et vous, lequel est le plus ronchant des deux? Sauvé par le gong. Merci. Sauvé par le gong. Bon, ben c'est pas mal. Ben oui. C'est bien. Maintenant, la case émotionnelle. Oui, la case émotionnelle. Alors, chaque semaine, on demande à un proche de notre invité de lui poser une question. Oui. Pour toucher une corde sensible. Voilà. Alors, le problème avec vous, c'est qu'on n'en a pas trouvé. Si, on en a. Si, c'est un message très personnel, vous allez voir. Ouais, Gérard, salut. Voilà, excuse-moi de te déranger en pleine émission, mais comme j'étais invité la semaine dernière, puis ça n'avait pas trop bien marché parce qu'il y avait du rugby en face. Donc voilà, je me permets de revenir pour dire que je suis au Théâtre Grévin du 11 avril au 5 mai. Voilà. Je t'embrasse. Il est gênant. J'aime beaucoup... Raphaël Misra. Il avait eu une idée de géniale à un moment donné. Il avait mis sur tout le cul des bus... Raphaël Misrahi au Stade de France, plus que 250 places. Parce qu'en fait, il jouait dans une petite salle annexe qui avait 250 places. Il jouait places. Dans le vestiaire. Voilà. Il nous l'a raconté la semaine dernière. C'était assez... ouais. Bon, bah, alors vous êtes touché, finalement, je pensais qu'il vous posait mais une question. Mais cet homme-là me touche. Mmh. Oui. On se connaît peu, hein. On se voit rarement, mais je l'aime bien. J'ai trouvé ce truc, il a frôlé le génie quand il a fait ses interviews du début, là. Ouais. Vous savez, avec les... Oui. Il était très, très, très... Il faut tourner beaucoup la tête pour vous voir. Oui, mais parce que dès que je me mets...